Kamoff, avant que la vidéo commence, je voulais vous dire que j'ai fait une chaîne secondaire qui s'appelle Kamoff TV. Le lien est en description. C'est parce qu'on va sortir d'autres vidéos hors caméra cachée, hors prank, tout ça. Donc si vous avez envie de nous suivre et de suivre mon quotidien et de voir les vidéos que je fais avec les collègues, tout ça, où on délire, où vraiment on se prend pas la tête, je vous invite, s'il vous plaît, et si vous me soutenez, à aller vous abonner à la nouvelle chaîne Kamoff TV, qui est en chaîne secondaire et en description dans cette vidéo. Je tiens également aussi à remercier les derniers membres qui ont rejoint la chaîne. Merci du fond du cœur. Vos noms s'affichent ici comme promis. Et sachez que si vous souscrivez à un abonnement, si vous rejoignez la chaîne et que vous nous soutenez, vos noms seront dans la prochaine vidéo, comme je viens de le faire aujourd'hui. Donc je vous souhaite à tous un bon visionnage et faites attention à vous. Ciao. Les amis, si vous aimez notre chaîne YouTube, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche de notification pour avoir chacune de nos vidéos dès sa sortie. Ciao. C'est quoi ça? Regardez. Lâche-moi, vas-y, lâche-moi. Lâche-moi. Salut Internet, c'est Kamoff. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Vous vous demandez qui peut être ce grand gaillard blond aux yeux vert marron. Et c'est Cédric. Cédric, alors il est là aujourd'hui, pourquoi? Parce que au cas où ça se passerait mal dans la vidéo qu'on va tourner, il pourra intervenir. Et si vous voulez le rajouter, s'il y a des gens qui le trouvent pas beau gosse, homme ou femme, hein, il s'en fout. Pour ajouter sur Instagram, son Insta s'affiche juste en bas. J'ai vu que vous avez beaucoup aimé l'épisode où je piège un ancien prof à moi qui m'avait rabaissé quand j'étais au collège. Il faut savoir qu'il n'y avait pas que lui qui me faisait ça. Et donc automatiquement, j'ai la haine envers beaucoup de profs et je dois me venger de beaucoup de professeurs. Et même des CPE des fois. Donc bon, on verra. Aujourd'hui, j'ai retrouvé un ancien prof de maths à moi au collège qui me faisait la misère. Et avec son nom de famille, j'ai pu retrouver son adresse. Aujourd'hui, je suis habillé en cantonnier exprès. Je vais aller devant chez lui, d'accord? Et je vais faire semblant de balayer sa rue. Je vais attendre qu'il sorte de chez lui pour aller travailler. S'il me reconnaît, j'espère qu'il va me parler. Et s'il me parle, on verra s'il a changé ou pas. J'espère que cette vidéo vous plaira. On se retrouve à la fin pour une petite conclusion. Et bon visionnage à tous. Bon les amis, là on vient de retrouver la voiture du prof. J'ai une chaîne avec moi et un cadenas. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va entourer sa voiture avec la chaîne. Si il a changé, que c'est quelqu'un de bien, bien sûr, on lui dira que c'est un prank et qu'il n'y a pas de problème. Mais par contre, si c'est pas le cas, on va y laisser la chaîne. Donc là, on va enchaîner sa voiture de façon à ce qu'il ne puisse plus rentrer dedans. Et on va voir sa réaction quand il va découvrir sa voiture enchaînée. Bon, on va faire vite. La voiture est enchaînée. Je vais prendre le balai. Je vais faire semblant d'aller balayer devant chez lui. Et on va attendre qu'il sorte pour voir sa réaction et voir comment il va réagir. A tout. Bonjour. Je sais pas. Vous étiez pas au collège? Ouais, c'est ça. J'étais là-bas au collège. J'ai fait ma scolarité là-bas. Oui, monsieur. Vous avez prévenu. Hein. Vous allez finir à ramasser des ordures, balayer, travail de merde. Y a pas de sous-métier, professeur. Ouais. Vous êtes toujours là-bas, vous? Toujours. Là, je vais être muté et je serai plus tranquille. Mieux que ce que vous faites, c'est sûr. Y a pas de sous-métier, professeur. Pas de sous-métier, mais bon, je pensais que vous allez avoir le déclic au bout d'un certain temps, mais bon. Quel âge vous avez maintenant? 28. 28? Il reste encore le temps de vous reprendre un programme. Mais pourquoi? Parce que ce que je fais là, c'est pas bon. Le travail. C'est pas bon le travail. C'est un travail, mais pour moi, c'est pas un truc que je ferais. Pour vous, c'est pas un travail. Pour vous, c'est pas un travail. Non. D'accord. C'est pas vraiment un travail. C'est un travail de merde. Voilà. Faut donner ça à mon mot, Kader, mais... Ah, vous êtes, ah, parce qu'en plus... êtes raciste. Ah, c'est bien. Ça pour l'éducation nationale, c'est bien. Professeur raciste, c'est bien. Super. Vous habitez là, vous? Ouais. Ça fait combien de temps que vous travaillez dans le fond? Je suis à l'essai, là. Ouais. Combien de temps? Ça fait 2 semaines. Ah, bah, arrêtez tout, hein. Pourquoi? Bah... Attendez, qu'est-ce que vous cherchez, là? Je comprends pas. Bah, je vois que vous faites un travail de merde et... Bon, moi, pour moi... Non, mais... Qu'est-ce que vous cherchez là, là? À l'heure actuelle, je vous ai même pas calculé. Pourquoi vous venez me brancher, là? Parce qu'avant, je te l'avais dit que j'étais bon à rien, que tu es là. Oui, j'ai compris. Eh ben, je suis bon à rien. Je suis bon à balayer devant chez vous.
merci. T'es propre devant chez vous, c'est grâce à des gens comme moi. Ouais, c'est bon. Alors. Mais bon, après je paye assez d'impôts, non? Peu importe, vous êtes là à dire que c'est un sous-métier, ce que je fais, que c'est un métier de merde. Oui. Eh ben, y a pas de sous-métier, moi je vous dis. Voilà. En attendant, aujourd'hui, c'est moi qui balaye devant chez vous. En attendant, excusez-moi, mais tu es considéré comme de la merde. Pour moi, ce que c'est pas gentil ce que vous dites, vous savez. Bah, moi je suis franc, peut-être que d'un côté, j'aurais un déclic à trouver mieux. Non, enfin. Mieux. Bon. Écoutez, monsieur. C'est ça votre nom? Monsieur. Bon, allez, monsieur. Bonne journée. Ça fait quoi de nettoyer ma merde tous les matins? Ça fait quoi? Je pense qu'il vaut mieux que vous partiez. Ça fait quoi? Monsieur, sinon quoi, partir, sinon quoi? Parce que là on n'est pas à l'école. Quoi. Là on n'est pas à l'école. Et alors, tu crois que je vais demander ton carnet là? Tu crois que je vais demander ton carnet? Monsieur Fernandez, bon, allez, merci. Ah par contre, ah monsieur. Par contre ça là. Non, non, revenez. Revenez si vous êtes un homme, revenez. Revenez si vous êtes un homme. Non, revenez si vous êtes un homme. Vous êtes un bonhomme, revenez monsieur. Monsieur, revenez si vous êtes un homme. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Je suis un chien moi. Je suis un chien moi. Vous jetez vos merdes par terre. Le bon Dieu vous le rendra, monsieur. Ne vous inquiétez pas. Et quand il va voir sa voiture, je crois qu'il va changer de gueule. Qu'est-ce qu'il y a, monsieur? Vous cherchez quoi là? C'est quoi ça? C'est quoi ça? Regardez. Lâche-moi, vas-y, lâche tes mains. Lâche-moi, tu es un fou, tu es. Vas-y, lâche-moi, tu vois. Tu vas travailler, frère. De quoi tu parles? Tu veux pas que. Regarde, on va retirer ton chéri là. Mais on dirait c'est moi, je travaille, tu vois pas que je travaille. Je vous vois, bizarrement. Arrête de dire n'importe quoi. C'est quoi ça? C'est normal? C'est quoi? Venez m'emballer, s'il vous plaît. Venez voir, s'il vous plaît. Je vous dis que c'est pas moi, monsieur. Qu'est-ce qu'elle a, votre voiture? Bizarrement, je te vois devant chez moi. C'est pas moi, monsieur. Bizarrement, ouais, c'est parce que quoi? Parce que auparavant, je te parlais mal. Il y a un cas de main. En plus. Je sais pas. Je sais pas, monsieur. Moi, je travaille, je suis désolé. Je t'ai fait venir ce que j'ai fait. Venez m'aider. Non, je vous aide pas. Mais c'est pas moi. C'est pas moi, de deux, vous venez me manquer de respect. J'ai pas de clé, c'est pas moi, monsieur. C'est pas moi, ça, c'est pas moi. C'est pas moi. Vous venez, bizarrement. C'est pas moi. Hein? Pourquoi? Bah appelez-les, je m'en fous, qu'est-ce que vous voulez qu'ils fassent les flics? Vous avez plus de perdre de temps à ce qu'ils font. Bizarrement, vous êtes devant chez moi. C'est pas moi, monsieur Fernandez. Je travaille là-dedans, je travaille. Qui c'est que j'habite ici? Qui? Mais moi je le savais pas non plus que vous habitez ici. Arrêtez. Bizarrement aujourd'hui je vous vois, bizarrement aujourd'hui ma voiture est enchaînée. Ils viendront pas les flics pour ça, mais... Et c'est... Bougez pas. Comment bougez pas, je vais finir ce que j'ai à faire, il fadale. Elle est où la clé, s'il vous plaît? C'est pas moi, monsieur. Ce n'est pas moi. Pourquoi de suite c'est moi? Pourquoi c'est moi? Tout de suite c'est moi. Vous pouvez envoyer une voiture s'il vous plaît? N'importe quoi, ils n'enverront jamais une voiture pour ça. Hein. Je vous dis qu'ils viendront pas les flics. Ça sert à rien. Je n'ai pas la clé, ce n'est pas moi. Moi qui ai fait ça. Quoi? Vous voulez qu'on se batte? Allez. Et là c'est moi. Les flics, allez-y. Allez-y, levez-moi la main dessus. Vous me rendez la clé? C'est pas moi. C'est pas moi. Pourquoi dessus ça serait moi? Comment ça se fait que c'est d'un coup? Je sais pas. Un jour c'est venu comme ça? Je sais pas. Bizarrement, vous êtes devant chez moi, de ma voiture est enchaînée. C'est bizarre, monsieur Fernandez. Écoutez, moi j'ai fini mon service là. Ah, mais vous avez pas fini, vous allez m'enlever ça. Moi j'ai fini mon service, je dois rentrer. Vos problèmes sont les vôtres, mes problèmes sont les miens. Moi j'ai fini, monsieur. Le prof est toujours en train de galérer à enlever sa chaîne. Je filme avec mon téléphone. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais passer devant sa voiture avec ma voiture. On va voir sa réaction. Je vais m'arrêter à côté de lui pour le narguer un peu avec les clés. Les clés qui sont là. Les clés du cadenas, elles sont là.
Donc je vais lui montrer les clés et je vais le faire s'excuser. Vous n'arrivez toujours pas ? La bouche de voiture ? De quoi ? La bouche de voiture ? Ouais, c'est ma voiture. Pourquoi vous avez une voiture comme ça ? Bah parce que je travaille. Vous travaillez ? Mais c'est pas une travail de minage comme ça que... Bah monsieur... Yes. Je vais vous expliquer quelque chose, monsieur. Vous aviez raison. Ah, c'est bien ce que je me disais. Vous aviez raison, monsieur. C'est bien ce que je me disais. Vous aviez raison. Vous avez raison, je travaille pas, je suis pas cantonnier. D'accord. Ça, c'est vrai. Je travaille pas pour la ville, hein. J'ai pas un travail à la ville. Hmm? Par contre, j'ai ma société maintenant, monsieur. Oh. Et je suis chef d'entreprise. Votre chef d'entreprise. Voilà, monsieur Fernand, je vais vous dire que ce que vous m'avez dit quand j'étais plus jeune, ça tient pas debout. Hein? C'est pas... Non, levez ça devant monsieur. Levez ça devant monsieur. Attendez, pourquoi vous mettez ça? Ce que vous m'avez dit quand j'étais plus jeune. Pourquoi vous mettez ça sur vous? Je vais parler sinon je vais partir. Ce que vous m'avez dit quand j'étais plus jeune, qu'on peut acheter un bon rien tout ça. Au final, regardez. Regardez en quoi je roule, regardez en quoi vous roulez. Ouais. Vous voyez? C'est pas bon d'arabaisser les gens. Leur dire que ça va être des SDF plus tard, pas les aider et les enfoncer comme vous faites, c'est dégueulasse. Mais aujourd'hui. Attends, j'ai la preuve là, mais aujourd'hui j'ai la preuve. Vous avez pas changé. J'étais en train de balayer devant chez vous, et même quand j'étais en train de balayer devant chez vous, vous étiez encore en train de me rabaisser. Je vous laisse ça en guise de remerciement. Ce que je suis en train de faire là, c'est une leçon, une vengeance sur la vie. Donc c'est vous. Et ça, c'est pas moi, monsieur. Ou peut-être que c'est moi. C'est moi, attendez. Je sais pas. Attendez. Vous savez quoi? On a une solution. Je vais récapituler, monsieur. On a une solution. Non, attendez, moi j'ai une idée. Vous vous excusez de ce que vous avez fait là et ce que vous m'avez fait plus jeune, et je me débrouille pour vous ouvrir. Je vous donne la clé, c'est moi. Ah, donc c'est vous? Donc c'est moi. Donc c'est vous? Oui. Attendez, monsieur, pourquoi vous êtes venu devant chez moi pour faire quoi? Pour vous passer le balai? Pour voir si vous avez changé, monsieur. Ah, d'accord. Eh oui. Ah, d'accord, et ça vous apporte quoi? Ça apporte une vengeance, une satisfaction personnelle. D'accord, vous avez rien d'autre à mieux à faire? Non. Vous, si vous continuez à parler et que je vous donne pas la clé, vous allez rater votre... Oui, je vais... Alors, si vous pouvez, travail. Vous pouvez me donner la clé? D'abord... J'aimerais que vous vous excusiez, monsieur. Donnez-moi la clé, s'il vous plaît. Si vous excusez pas, j'enclenche la première, je m'en vais et vous avez... Non, on est dans le temps. Je suis désolé, ça vous va? Désolé de quoi? Je suis désolé de vous avoir parlé comme ça auparavant, c'est bon? Tout à l'heure? Et tout à l'heure. D'accord. Vous êtes profondément désolé? Je suis désolé. Je vous donne la clé, monsieur. Ne vous inquiétez pas. Tenez. Tenez. Allez, monsieur. Allez, monsieur. Allez, je relâche. Allez-y. Hop, non. Allez-y, monsieur. Allez. Allez, hop, eh ben non, monsieur, allez, monsieur, eh, ça va, je vous la rends, la clé, monsieur, tenez, je vous rends la clé, promis, c'est bon, monsieur, tenez, ciao, monsieur.